J'oublie toujours son prénom. Giuseppe, salut, je crois. Salut, tu vas bien? Ouais, ouais, et toi? Ouais, ça va. Oh putain. Oh, et cool. Après, il y a Tony salut, qui est venu vers moi, il m'a accueilli. Ouais, t'as tué ma chienne. Je suis désolé, Gizzy. Toutes mes condoléances. Ouais, sa condoléance, ça c'est sûr. Je pleurais toute la journée petite... quand la police ils m'ont déclenché la 21. Je l'ai pas tué, on a retrouvé la selle juste en dessous de l'infirmerie. Ouais, c'est dégueulasse. D'ailleurs, le flic il m'a redonné la selle du chien. Ouais. Ah, il sentait encore son odeur et tout, le mort. Oui, Tony lui a donné. Je suis désolé, Gizzy, je suis vraiment désolé. Mais je t'en trouverai un autre, je sais que ça remplacera pas la petite, je le sais bien. Non, ça remplacera pas. Lorraine, il l'a pour. Je suis vraiment désolé. Alors, moi, je vais m'enrôler en team. Vous t'inquiète en pas, voulez pas t'inquiète pas que Tony s'en est occupé. Il s'est occupé des dinos, je peux dire, il les a redressés maintenant. Bonjour. Et qui êtes-vous? Bonjour. Je te présente Thomas, nouvel apprenti au village, apprenti chasseur. Ah bon? Bon, enchanté Thomas, moi c'est Kira. Servez-vous. Enchanté. Ah ouais, attends, on va se faire. Je prends tout pour toi, man. T'es un coquin, man. C'est un gourmand. Ouais, je vois que t'aimes bien ma marchandise. Ah bah, c'est pas de la merde. Servez-vous, serre-toi. Viens prendre Thomas. Allez, viens là. Viens chercher, prends-le. Tu vas voir, ça envoie du lourd. Ah, j'espère que ça va me rendre éveillé cette merde. Oh non, c'est le contraire, man. Ah putain. Là, je suis pas dans la merde, je risquerais de me rendormir. Oh la vache. Ouais, du coup, vous allez venir fumer le calumet de lapin à la maison, quoi, du coup. Ouais, oui. Ouais, on va passer. Là, pas oh la vache, ça arrache ton truc. Eh, il est plus fort que la fois dernière ou quoi, là? Non, c'est la même variété. Mais là, on est en train de concevoir une nouvelle variété avec mon point de GMA, du coup. Ouais. C'est plus fort. Elle n'est pas tout à fait au point encore. Il manque un ingrédient. Ah merde, il manque quoi? Bah, on sait pas trop. On est en train de faire des tests, quoi. On sait pas c'est quel ingrédient, mais on va finir par en trouver. Hein, ouais. Ah, t'as bien raison, hein. Là, c'est que ça en indique ce truc, dis donc. Bah, c'est surtout que ça défonce. Oh. Ouais, bah, je vois ça. Ouais, ça fait du bien. Bah, c'est vrai que ça détend, mais quand même. Tant en plus, j'aime me réveiller, alors t'imagines pas. Ouais, c'est feignante, tu dis en feignante comme moi, enfin, c'est ça. Mais c'est tu, sais que tu, ça. Tu sais que je vais. Bah, c'est ce que je suis en train de penser parce que plus le temps passe, plus je parle de plus en plus lentement, Gizzy, tu sais. Je crois que j'ai le cœur qui ralentit. Bah, c'est bien. Bah, tant mieux, tu vivras plus longtemps. Ah, bah, ça. Tu sais, si tu stresses pas, ton cœur, il est. Bah, normalement, il se ralentit. Et si ton cœur, il se ralentit, bah, tu vas vivre plus longtemps, tu vois. Ah bah je vois totalement, c'est pour ça que je commence à suivre tes conseils, puis plus le temps passe, plus je parle lentement. Tony, il a vu une évolution, ouais. C'est pas vrai, Tony? Ouais, tout à fait. Bah ouais. Bon, vous avez prévu de faire quoi ce soir, alors? Bah écoute, moi je viens tout juste de me réveiller, je m'aille au cours, là. On avait prévu de partir chasser du côté de Mizuka, en traversant le pont. Tu vas aller pour aller découvrir un petit peu la zone. D'ailleurs, c'était déjà prévu depuis 2 heures, non? Ouais, mais vu qu'il faisait nuit, on a fait demi-tour, on est revenu et on attendait que le jour vienne pour t'a croisé. C'est donc, un dangereux, j'ai croisé quelques T-Rex là-bas. Ouais. T'inquiète pas, les chats ils font l'affaire, ils font très très mal les chats. Ouais, mais les T-Rex ils font très très mal. Hein. Il suffit que tu tombes sur un putain d'âgé, j'ai entendu parler qu'il y avait même des animaux de plus de 200 ans maintenant ici. Hein. Oh putain! Ah oui, d'accord, en effet. Ah bah ouais, là, tu tombes sur le mauvais, man, t'es dans la merde. Hein. Non, j'ai des pièges à ours géants, t'inquiète pas. Si jamais, je peux m'en sortir. C'est bien, ça, man. Ah oui. Donc on attend des flèches pour dormir, quoi, aussi. Des flèchettes, là, qui font fouc, là. J'ai pas le fusil tranquillisant, non, j'attends l'autorisation du commissariat pour ça. Ah bon, t'en fais une demande, hein. J'ai fait une demande et le commandant m'a dit qu'il savait pas trop pour le moment comment se décider, alors fallait que j'attende une lettre de leur part. J'ai entendu dire qu'il y avait des radios aussi, on pouvait en acheter, ça fonctionne très bien. Hein. Ouais, ça pourrait être intéressant en effet, ouais.
Ouais. Il y a juste une façon de faire pour les régler, quoi. Faudrait que je vais en mettre ça sur le truc communautaire, du coup, parce que c'est bordel, sinon. Ouais. Ça pourrait être intéressant, en effet, ouais. Ouais, ça... Bon, dis-moi pour Stolen, alors, du coup. Ouais, bon, je t'en fais 7 pièces d'or unité, quoi. T'en veux 100, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Allez, je t'en fais 123, tiens. Allez, tiens, c'est cadeau. Ah bah attends, qu'est-ce qui se passe parce que alors bon prix, là. Moi j'ai fait que dormir, qu'est-ce qui se non, passe c'est là bon, c'est pour la maison, t'inquiète. Ok, merci beaucoup. Tony, tu peux m'expliquer parce que vu que j'ai fait que dormir, je sais pas. Je viens de récupérer, ah, j'en ai acheté. Ah mais je crois que c'était joie là, putain. Quand c'est transmissible, vraiment. Ça va être dans les dreadlocks. J'ai récupéré 123 laine et il me les a fait 7 pièces d'or l'unité. Oh là, d'accord. Moi, je le vends plus cher normalement, c'est parce que vous êtes des copains. Mais vous avez quand même tué ma chienne. Hein. Mais je te promets qu'on s'excuse et je ferai tout pour me faire pardonner. Ouais, faut la finir le fumer, le quand lui met de la peur à la maison. Ouais, d'ailleurs, maintenant je me souviens, j'ai encore autre chose à toi, t'en bouges pas. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu racontes? Alors, quoi de neuf? Ah, si, moi, j'allais te le dire, justement. J'allais dire quoi de neuf? Pas moi qui ai du vieux, à part que ma chienne, elle est morte. Je sais. Quand est-ce qu'il y a un don? En plus, du coup, t'en as plus, maintenant c'est fini. Gizzy, il y a moyen que j'en tu sortes donc pas, non, les dons. Prenez con, vous voulez venir ou pas, là? On va l'emmener. On va y aller. Quand je bois, quand j'arrive. Je vais faire un tour dans le sud, je pense, pour vendre un peu de laine, ce genre de truc, si vous voulez venir. Bah on passera après du coup, parce que nous on avait prévu de faire autre chose. Ouais. À la limite on passera juste après. Ouais mais je suis pas sûr d'être là man. Bah parce que là t'as dit que t'allais dans le sud. Ouais mais je peux aller après moi au pire. Ah ouais bah parce qu'à la limite tu nous auras envoyé un courrier et puis dès que je reçois ton courrier on te rejoignait chez toi. Ouais faut voir. Ouais mais si vous êtes occupé comme la dernière fois au pire ça va être bordel. Non autant venir maintenant comme ça. Ok bah je vais ranger la laine puis on y va tout de suite alors. Ouais ça. Hey, habillez-vous léger hein. C'est moi ou Pas la chance là. Hein t'es beaucoup plus fourni niveau cheveux que moi. Bah normal ça pousse moi man. Ouais. C'est dans la communauté Rasta on se coupe pas les cheveux non. Ah non, mais moi, c'est surtout la pousse, c'est ça qui est long. Pourtant, je t'ai dit, je dors pas. Enfin, là, j'ai dormi, je vais pas te mentir, j'ai dormi. Et puis maintenant, bah, depuis que tu m'as donné ton truc, je fais que de mailler. Arrête de mailler, ça me fait mailler. Pardon, Kizzy. Là, je sais pas ce qu'il y a dedans, moi, ça me modifie, là. C'est bien, c'est bien. Du coup, tu vas par où, Kizzy? Bah, je sais pas, c'est dangereux, ton pont, non? On va prendre mon bateau, peut-être. Bah il est pas dangereux le pont, après il est juste chiant à passer, c'est tout. Après c'est dangereux quoi. Bah au pire ce qu'on va faire c'est que on va quand même prendre les chats et on va venir sur ton bateau si ça te dérange pas. Ouais mais petit, moi j'ai mon chien et mon truc, plus vous tous, j'en ai pas pensé man. Non mais venez à pied, vous prenez pas la tête hein, ouais. Ouais bon écoute on va faire ça, on va y aller à patte hein. On va y aller à pied puis on reviendra après pour aller à la chasse. Ah mais il est là. Attends, je l'avais pas vu, c'est qui lui alors, dis-moi. C'est Marley, lui, il a 225 ans. 225 ans. Oh là là là, qu'il est beau. Oh, il a quand même des couleurs un petit peu à la pépite. Ah putain, ma veste, ouais, tiens, hop là. Ah bah oui, ta veste. Ah ouais. Me regarde pas quand je me change. Oh putain. Me regarde pas quand je me change, je suis timide. Ouais, bah. Dis donc, tu m'avais pas dit que t'avais des draps d'ailleurs, hein, Kizzy. Bah si, ouais. C'est bon? Vous allez chasser juste derrière ou quoi? Parce que je vous vois habillé comme des guerriers là. Ah bah je peux me retourner ou pas? Ouais c'est bon, c'est bon. Ah bah ouais, c'est bon. Non ouais, moi je reste comme ça, je te suis, vas-y. Non moi comme rien là. Vous pouvez ranger vos boucliers, hein, on n'a pas besoin pour le moment. Il va nous baiser la gueule, je le sens mal. Je le sens trop mal. Oh, attendez, je vais marcher avec vous et bon aussi. Vraiment. Allez, 140, dépêche-toi, t'as un tronc fumé. Vas-y, je passe. Je me sens trop mal. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression. Soit
Il est vraiment cool. Sauf à nous baiser la gueule avec l'histoire de la mort de son chien. Parce que genre, faut savoir que... Oh non, Tank! Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ce bordel à gauche? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est un morel intemps. Mais c'est... Je connais pas, c'est quoi ça? C'est un dromadaire, quoi. Un morel, quoi. Bah putain, il a beaucoup de boss. Moi, il en a que deux. Ouais, bah tu sais, moi je confonds tout le temps. Allez, Amzen. Ouais, bonjour. Bonjour. Encore toi, ouais. Bonjour. Ah, c'est un bel bête, Quentin, là. Bonjour. Oh putain, ouais. Il pèse combien? Il doit peser ouais. Beaucoup, là. Un bon catal. Attendez. Je pense qu'il pèse 1000. 1000 à peu près. Oh putain. Faut pas se mettre en dessous, là. Fais attention, Gizzy. Ah non. Moi, oh, tranquille. Oh, mais il est doux. Il est... Oh là là, qu'il est beau. Oh, les yeux. Vous en avez pas un peu chié pour l'avoir, cette bête? Non, il était coincé. Donc, je l'ai eu au point. Oh, à la chance. Oh, c'est vrai qu'avec le poids qu'il a... Oh, tu n'as pas un bon que ça, ça. Oh, non, ouais, c'est vrai que pour le coup, j'aimerais pas prendre une teinte dans la gueule. Hein. Je suis pas violente non plus, mais faut pas me chercher trop loin non plus. Ah, mais je te comprends bien. En tout cas, très belle bête. Hein. Non. Il a un petit prénom? Pas encore. D'accord. Je sais pas encore. Donc, je travaille avec lui parce que j'ai besoin de bébé beaucoup. Je vais avoir peut-être 3 juments qui vont accoucher cette nuit. Donc, voilà. Ah ouais, quand même. Ah oui, là, faut pas déconner. Ah bah oui. Ah non, faut pas déconner. Donc, ah bah bon courage et bonne continuation. Hein. Oh. Merci à vous beaucoup. Hein. Merci. Attendez, je réfléchis à ça. Il commence déjà à se faire pas mal de temps. Je pense que si vous devez chanter et tout, vous n'êtes pas en train de rêver. Sinon, on remet ça à demain, car le maintenant, père. Non, on viendra, puis on attendra que la nuit se repasse, et puis on ira le lendemain, on ira demain, c'est pas grave. Ouais, on va faire ça, on ira. Où ça, à la chasse ou chez moi? Nous, on ira à la chasse demain, tant que la soirée passe. Non, mais vous prenez pas la tête. On verra ça demain, comme ça, en plus, il y aura Jemal, vous le verrez, vous le connaissez pas, Jemal, non? Ben non, la dernière fois que je l'ai vu, moi, je t'ai dit, j'ai essayé de le réveiller, mais bon, ça marchait pas. Ah ouais, non, lui, quand il dort. C'est vrai que lui... Non, mais écoutez, ouais, on viendra à Jemal, on viendra vous chercher, et puis on reviendra à la maison, on fera comme ça, quoi. Ouais, comme tu veux, hein, c'est toi qui me dis. Hein. Ah ouais, ça sera bien. Sinon, là, vous allez passer trop de temps à la maison, vous savez, moi, quand on commence à fumer, à discuter, on est là pour des heures, hein, c'est bon. Et ça nous dérange pas, il y aura Jemal, ça sera mieux. Hein? Ça nous dérange pas, nous, au cas où, hein, t'inquiète pas, hein. Ouais, mais demain il y aura Jemal, ça sera mieux, je pense, en fait. Hein. Ouais. Bah, d'accord. On le connaîtrait comme tu ça. Tu sais à peu près vers quelle heure? Parce que je suis. Tu sais, moi. Bon, là, attends, vu que j'ai tendance à dormir un petit peu. Demain en soirée, je pense, entre ouais. Quoi, bon, bah, d'accord. Comme ce soir. Ok, quoi. Pas de soucis. Ça marche. Ça, bon, on fait comme ça. Moi, je comme ça, je peux aller dans le sud, je vais aller vendre ma laine. Ouais, bon, t'as bien raison. Faire ça. T'as bien raison. Ok, d'accord. Non, ouais. Bon bah plus tard alors, et je vous dis bon courage. Enfin tant que c'est en direct, je vous assure, ils sont contents. Ouais, je t'en remercie beaucoup, merci beaucoup pour l'info. Allez, et à demain. Allez, à demain. Alors attends, j'ai encore oublié ton nom, toi, le petit nouveau, là, parce que, excuse-moi, c'est moi, je dors beaucoup, hein, donc forcément, je me souviens pas de tout. Moi, c'est Thomas. Thomas, d'accord, je retiens. Oui, donc alors, comment t'as rencontré Tony? Explique-moi Tom. Un petit peu, parce que... Comment j'ai rencontré Tony? Bah oui. C'était hier. Oui. À la capitale. Ah, à la capitale, oui, d'accord. Je me suis réveillé dans l'hôpital royal. D'accord. Mais j'ai été sacrément surpris puisque j'avais plus aucun souvenir. Ah bah. Ils ont dû me traîner jusqu'à l'hôpital royal, je pense. J'ai été évalué devant les portes de la capitale, ça c'est oh, merde. Tout ce dont je me souviens. Et puis j'ai rencontré... merde, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. José Diomedes. Diomedes, merci. J'oublie à chaque fois son nom à cette celui-là. Personne. Donc toi, d'après ce que j'ai compris, tu es l'éleveuse du village. Ah oui, 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 moi je suis dans l'élevage. Hein. J'élève des petites bêtes. Ah, elles sont là-bas, hein, tu vois. Bah Tony, je pense qu'il a dû faire un peu faire le tour de la maison. Il m'a fait le tour du village, oui. Voilà, donc j'élève mes petites bêtes. Moi, après, bah, je les revends, hein, bien évidemment, pour se faire un petit peu de pépette. Hein. Donc voilà, ça, c'est mon métier. Moi, je vais pas te mentir, je suis dans l'élevage. Hein. De toute façon, c'est de père en fils, hein, et de mère en fille, hein, j'ai même envie de te lire. De mère en fille, oui. Ah bah oui, donc du coup, bah voilà, moi, je mes parents, bon, bah j'ai pas envie trop de parler de ça pour le moment, mais voilà, j'ai perdu mes parents dans le...
dans ce putain de tremblement de terre de merde. Et du coup, voilà, bah, pour honorer un petit peu leur mémoire, bah, je me suis remis dans l'élevage. Pour raviver la flamme du... Et voilà. Je voulais pas les... Tu vois, qu'ils soient là-haut et qu'ils soient fiers de moi, quoi. Parce que là, voilà. Ah, je vais pas parler de ça tout de suite, écoute, parce que sinon je vais chialer. Bon, qu'est-ce que vous avez... Alors... Qu'est-ce que vous aviez prévu aujourd'hui de faire? Alors expliquez-moi d'où. On devait aller à la chasse aux ardennes. J'ai pas compris, Tony. Ceci, c'est pour toi, déjà. On devait aller à la chasse. Bon, bah, on va pouvoir y aller, du coup. Ouais, alors attends deux secondes, je regarde si j'ai bien tout. Donc du coup, voilà. En fait, dans ce nouvel épisode, en fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est lors de l'épisode 4, quand on allait se coucher, il y a eu un problème. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait, mais tous les dinos sont passés en agressif. Ce qui fait que quand Yogi s'est réveillé, en fait, il s'est fait déchiqueter la gueule et sa chienne s'est fait déchiqueter la gueule. Mais c'était pas volontaire, en fait, c'était un accident. Du coup, vite, je me suis reconnectée, j'ai repassé tous les dinos en passif. Le problème, c'est que, RP parlant, bah, sa chienne, elle s'est fait défoncer. Lui, il s'est réveillé à l'hôpital. Et il faut trouver une solution. Donc voilà, d'où pourquoi il y a eu l'histoire de « Ouais, vous avez tué ma chienne, machin et tout. » C'est parce que, bah, justement, il y a eu un problème, en fait. Tous les dinos sont passés agressifs et ont attaqué sa chienne, ont bouffé sa chienne. Donc voilà, on est en train de jouer en mode « Bah, on est désolé, c'est vrai, on est désolé, c'est un putain d'accident à la con. » Et bah, du coup, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit « Il va nous buter, je sais pas, je le sens mal, je sais pas ce qui va se passer. » Surtout qu'il veut nous voir demain avec son pote, je sais pas, c'est bizarre. Donc on retourne en RP. Ouais, je sais bien. Ouais, bah c'est bon, hein, j'ai bien tout, je regardais, hein, je calculais mes petits trucs. Je remplis un peu ma gourde et puis on y va, hein. Tony ! Ça, je suis habitué. Viens d'où le pont là ? Non, ça va être compliqué. Là, c'est moi qui l'ai construit. Mais t'es un fou, c'est toi qui l'ai construit ? Eh oui. Mais t'as pas chômé du tout, mon salaud ! J'ai passé la journée hier à le faire, mais bon, au moins on est tranquille comme ça. Et ça fera du passage à côté du village, ça fera que du bon. Ah, t'as bien raison, mais dis donc, t'as pris des risques de faire des ponts comme ça, t'es un fou, toi. Hein. Oh, t'es vraiment un architecte dans l'âme. Parachute grappin, quand je t'ai dit que mon père était menuisier charpentier, c'était pas des blagues, hein. On a l'habitude. Ah, mais je te crois bien, mais je te voyais bien au niveau du village à chaque fois, mais bon. Oh putain. Si jamais. Fais attention de pas tomber sur les côtés parce que le cordage il nous retient pas vraiment. D'accord, mais on peut pas courir là ? Non, à cause d'ici, il faut faire un petit saut. Un seul penseur, faut pas avoir le vertige. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Manque de peau, j'ai le vertige. Si on fait pas de petit saut, le cordage nous bloque en fait. Putain, la hauteur. Si jamais entre nous on est assez loin au cas où. Gizzy, son joint de la paix là. Je sais pas pourquoi, quand je lui ai dit que j'étais resté en armure de chasseur, il voulait absolument qu'il y ait son pote, je le sens pas. Hein. Moi non plus. Donc si on y va demain, on partira bien équipé et qu'on ait de quoi se défendre, si vous voyez ouais, ce que je veux dire. Ouais, je pense aussi parce que là je le sens pas du tout moi. Ouais, je sens que... c'est vous qui avez tué la chienne de On Gizzy, l'a pas tué, putain. On l'a pas tué. Non mais... En fait, en gros, je t'explique ce qui s'est passé. On a offert l'hospitalité à Gizzy. Il est venu faire un petit dodo. Le lendemain, on s'est tous réveillés. Le problème, c'est que Gizzy, il était plus là. Et le problème, c'est que la chienne, bah, on a retrouvé la selle, quoi, en bas de l'infirmerie. Donc, et nous, on a retrouvé les murs abîmés. Donc, on pense que sa chienne a essayé de rentrer et abîmer les murs. Elle savait pas plus aux dinosaures. Et du coup, ils l'ont tué. Le problème, c'est que Gizzy, il aimait beaucoup sa chienne. Et moi, j'ai peur des représailles, là, tu vois. C'est pas de ma faute. Oui, je comprends. Et j'ai peur qu'il y ait des représailles. Et moi, je le sens mal, là. Je vais pas te mentir, je sens que ça va mal finir cette histoire. Moi je sens qu'il va y avoir quelque chose. Donc je pense que demain faut qu'on se prépare. Et si en plus il dit qu'il veut ramener son pote, ouais effectivement. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. On va monter on va aller sur la montagne là. Ah bonne idée, on peut avoir de la belle bête là-dessus. Hein. À gauche, mendienne. Oh ah oui. Oh oui. Où ça ? Ils sont juste combien ? Ils sont combien en tout ? 1, 2, 3, 4, 5 je crois. Oh putain ouais. Oh. Est-ce que j'en tenterai une ? Est-ce qu'on en... Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Tu peux en tenter, hein, tu peux tenter. Vu qu'ils sont 5, faudrait en... Mais c'est long. Faudrait immobiliser l'alpha, faudrait laisser l'alpha, parce que c'est la plus puissante. C'est parti ! Ok, très bien. Bon. Elle fuit, ça tombe bien. Bien joué, Tony, c'est à toi de t'en occuper, je le touche plus moi. Elle est bloquée dans le rocher. On laisse faire Tony. Ok.
Ah, c'est que ça te demande du temps, ces petites bestioles, là. Bah, écoute, c'est vrai que ça demande un certain temps, je vais pas te mentir. Chaque Gizzy, lui, la sienne, ça a été une heure et demie. Mais non, ils viennent pas, il y en a qu'un qui a... Bonjour. Bonjour. Ah, bah, tu vas te défier. Oh. Bien le bonjour. Ah, bah, ça va, merci, et vous? Oh, parlez pas si fort, monsieur, s'il vous plaît. Je viens juste de me réveiller. Ouh. Oh, dis donc, elle est mignonne, celle-là. Il m'en fout, justement. Ah bah je l'ai trouvée tout à l'heure, j'en ai pas vu en plus, c'est la seule que j'ai vue. Bah oui c'est vrai qu'en plus elles se font extrêmement rares, qu'est-ce qu'elle est mignonne avec ses petites couleurs. En plus elle est assez âgée dans l'ensemble, ça peut aller. Elle a quel âge? De mémoire je l'ai eue, elle devait avoir... je sais même plus en fait. Là je sais qu'elle a 167 ans. Oh la vache, ah belle bête hein. Ah bah félicitations à vous. Non, c'est un beau spécimen que vous avez là en tout cas. Ah oui, merci. Et vous venez d'où? Votre oiseau, là. Moi, je viens du nord. Vous êtes du village? D'accord, oui. Ok. Et c'est quoi votre petit nom? Moi, je m'appelle Aigo Scrap, je suis coiffeur. Ah, mais c'est vous le coiffeur! Mais on m'a tellement parlé de vous! Bah, dis donc, bah, Kira, ouais. Enchanté. Bah, c'est vrai, le roi m'a parlé de vous. Ah bon? Bah oui, bah... Bah, la fois dernière, bah écoutez, si vous voulez, en fait, on discutait, puis en gros, il me disait qu'il fallait qu'il se coupe les cheveux. Alors je lui dis, bah écoutez, moi j'ai une petite paire de ciseaux, c'est moi qui me suis fait mes propres cheveux. Il me fait, non, mais c'est bien ce que j'ai dit, il faut bien que j'aille au coiffeur. Voilà, il aimait pas du tout ma coupe de cheveux. Puis j'ai dit, de toute façon, il n'y a pas de coiffeur. Il m'a dit, mais si, moi je vais voir un coiffeur à chaque fois, c'est lui qui se déplace pour me couper les cheveux. Donc est-ce que c'est vous? Oui, c'est moi. Après, la réalité, c'est que c'est pas moi qui me déplace, c'est lui qui vient quand même à mon salon de coiffure, mais sinon, oui, c'est bien moi. Ah bah je sais pas, il m'a raconté, bah c'était, je vais pas vous mentir, je crois que c'était avant-hier, hein, il m'a raconté que, bah que c'était vous qui vous déplaciez justement au royaume pour lui couper les cheveux. Ah bah, bah non, il vient au salon de coiffure, mais après c'est dans la capitale, c'est à, oui, bah oui. C'est à une trentaine de mètres de sa maison je crois à peu près. Donc, oui donc c'est pas très, bah vous êtes placé, bah, faudrait que je regarde parce que vous êtes placé, parce que moi justement j'ai galéré hein, pour me couper déjà mes cheveux, hein. Pour m'occuper de mes cheveux je cherchais un coiffeur et j'en avais pas trouvé, faut que je vous trouve. Hein. Ah bah en fait quand vous êtes le village avec le rayon lumineux vert. Oui c'est ça, tout à fait. Alors quand vous partez de votre village, que vous venez à la capitale. Oui. Par le chemin le plus court, vous rentrez par la porte du coup qui est la plus à gauche de la muraille, je crois. D'accord. Il y a un éleveur à gauche et moi je suis la maison à droite. En d'accord. Gros, c'est ça. Bah écoute, et il y a un petit panneau pour. Non, il y a un petit panneau, il y a petit quelque chose. Ah bah il faudra que je regarde. Il y a un petit panneau, il y a une boîte aux lettres, il y a ma petite chaise de coiffure sur le côté de ma maison. Parce que c'est fait bah, oui. En plein air. Hein. Oh, bah moi c'est plus agréable, on prend l'air. Exactement. Et surtout, la repousse est meilleure après. Surtout, ça a l'avantage. Ah oui? Bah tiens, je savais pas, ça. Ouais, c'est un petit secret avec le temps. J'ai fait des observations comme ça et j'ai remarqué que quand on coupait en milieu extérieur, la repousse allait plus vite. Et ben, elle était de meilleure qualité, surtout. Et ça, c'est très important. Eh ben, vous voyez, j'aurais su ça, j'aurais été chez vous, parce que j'ai un petit problème avec mes dreadlocks, justement. Elles ont du mal à pousser. Vous ferez attention, il y a un petit raptor, là, sur la droite. On va reculer un petit peu, pour le moment. Ils sont deux, hein. Oui, je vois. En plus, après, j'ai mon ami sur la gauche qui est en train de s'occuper d'une hyène. Donc, j'essaye de faire attention de pas d'aller trop près de lui pour pas qu'elle fuit. Oh, dis donc, il y a une belle bête là aussi. Bah, ils sont partout ou quoi aujourd'hui? Ah, mais ça, ils sont gentils ceux-là. Ah, oui, ils sont cool. C'est gentil ça. Ah, du coup, oui, je suis pêcheur. Je suis coiffeur, mais aussi pêcheur et plongeur. Ah bon? Ah, oui, parce qu'on m'avait dit de prendre un deuxième métier. Et puis, bah, il y avait l'ensemble pêcheur-plongeur. Qui d'accord. Constitue un seul métier. Attendez, je vais m'occuper de la bête parce qu'elle va nous emmerder là. Il arrive. Oui, il arrive. Oh, dis donc, t'es fort, Thomas, bravo. Tranquille comme bon, ça. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Non, excusez-moi, hein, c'est juste que je préfère nous mettre en sécurité. On n'est pas à l'abri qu'il nous arrive pas, quelque chose. Donc oui, alors vous êtes pêcheur. Ah bah alors ça, c'est un bon truc. Là, je viens souvent par ici pour pêcher avec mon oiseau. D'accord. Parce qu'il me ramène par ici, il y a beaucoup de saumon à dents de sabre. Mmh. Oh, alors ça vaut le coup. Et vous pêchez, petite question, tout ce qui est perles et tout, vous ramassez tout ça? Ah oui, bah ça c'est mon métier de plongeur. Ah bah alors peut-être, eh ben écoutez, peut-être que par la suite je viendrai vous passer commande. Chez là, j'ai, je crois que je dois avoir à peu près 600 perles de silice chez moi. Ah oui, dis donc quand même. Et là, je dois avoir une soixantaine de pétrole, je pense. Parce que je viens seulement de commencer quand j'ai eu la grenouille, justement. Parce qu'avant, bah c'est trop profond, donc je pouvais pas y aller à la nage. Ah, c'est sûr, bah c'est clair. Donc là, du coup, j'ai pu commencer, donc j'en ai récupéré un petit peu. Je dois en avoir une soixantaine à peu près, je pense. Oh, bah c'est un très bon commencement déjà. Oui, c'est déjà pas mal. Après, là, le but, c'est de pouvoir récupérer... Je sais pas si vous voyez le petit lézard qui est à peu près la hauteur d'un genou.
et qui oui. a une tête en forme de croissant de lune pour emmagasiner de l'air. Ah oui, je vois, oui, j'en avais eu un comme ça, il y a un fut un temps. D'accord. Eh ben moi, ça, j'en cherche un justement pour pouvoir plonger et pouvoir rester plus longtemps sous l'eau, pour que ce soit rentable. Bah vous avez bien raison, mais c'est vrai que ces petites choses-là, c'est pas du tout facile à trouver. Oh là 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 là. Ah non. Déjà, on est venu tout à l'heure justement avec des tameurs. Oui. Du village, j'étais venu avec eux pour, dans les marais pour essayer d'en trouver, on n'en a pas trouvé. Ah par contre, vous serez, pour information, au cas où je ne sais pas si vous le savez, mon compère Tony, bon bah qui est actuellement en train de s'occuper de la hyène. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Oui. Bonjour. Donc du coup, au cas où il est chasseur, hein, donc je sais pas si vous étiez au courant. Non, bah je dois avouer que j'ai pas encore eu le temps de passer à votre village, donc d'accord. Je sais pas vraiment les métiers. D'accord. Bah au cas où, moi village. je suis éleveuse, donc je m'occupe d'accord. de la reproduction des bêtes. On a un petit peu de tout pour le moment. On a du carnot, on a du tigre à dents de sabre. On va peut-être avoir des moutons et des hyènes du coup par la suite. On est en train de s'occuper de ça. On a beaucoup de choses. Ah, on a de la vente des aussi. Hyènes, on vend ça, des... ça m'intéresse. Ah oui. Ah bah oui. Bah là, mon ami est en train de s'en occuper justement. Et on compte faire de la reproduction après. Hein. Donc au cas où, si vous voulez un petit ou quoi d'accord. que ce soit, ou même, hein, vous me dites, pas de souci. Et mon ami, justement, est chasseur. Et donc, il s'occupe justement de tamer les bestioles, de les chasser pour avoir de la peau et tout ça. Donc, il s'occupe de tout ça. D'accord. Donc, au cas où, si un jour, vous cherchez un chasseur pour vous aider, vous lui demandez. Hein. D'accord. Bah oui, bah, j'y penserai. Ah, il est spécialisé dans ça. Hein. Donc, au cas où, pas de souci. Et là, du coup, en plus, je viens par ici parce que... Tout à l'heure, on a croisé des gens du Royaume du Sud et on a un doute qu'il y en a un qui était en train de faire une base sur ces terres. Mais il faut jouer avec le roi, mais je crois que ces terres font partie de la juridiction du Nord. Donc, ah bah oui, ces terres-ci font partie de la juridiction du Nord, hein, je crois. Oui, voilà, oui. Donc il n'est pas vraiment autorisé, je pense, de venir. Bah à moins qu'il ait un, vous savez, ça, un visa ou je sais pas, à moins qu'il ait été voir le roi. C'est pour ça du coup. Oui. C'est pour ça du coup, je vais aller demander avec le roi, mais. Mais si vous avez vu sur ces terres, vous avez dit. Exactement. C'est que vous avez vu quelqu'un ça construire. Ça me fait penser à la bâtisse qu'on a vue tout à l'heure. Oui, c'est par là-bas, droit devant, et c'est en touch. Ah d'accord, bah écoutez, ça j'ai pas vu. Faudra écouter, faudra il voir. Il en a fait plusieurs comme ça, il a dû en faire 3. Ah parce ouais. Parce que nous, auparavant, je sais pas si une maison. Si, mais si, oui, mais je pense bâtisse. Que ça n'avait rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, je pense que non, parce que... la description que vous nous faites. Non, non, elle est toute en touch, là, ça n'a rien à voir. Après, il y a aussi, j'ai vu des gens qui viennent chercher du métal ici. Bah oui, je crois que l'endroit est répandu hein, pour ça. Ouais, ouais. C'est vrai que nous, on vient chasser, c'est paisible, c'est calme, on est tranquille. C'est vrai qu'il n'y a personne pour nous embêter. On chasse tranquillement, quoi. Déjà que les gens du sud viennent nous voler nos ressources. Mais non. Ah si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'était des gens du sud qui venaient. Ah, mais vous étiez sûr que c'était des gens du sud? Oui, je lui ai demandé. Ah bah excusez-moi, j'ai cru que vous aviez vu une personne et vous avez supposé que c'était quelqu'un du sud. Ah non, 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 désolé. Non, j'ai vu une personne qui était du sud, je lui ai demandé, il me l'a dit. Et qui, on a un doute que c'était lui qui construisait des... D'accord, bah justement une maison. Des avant-postes par ici. Et de l'autre côté, j'ai vu un monsieur du sud qui était un canon kilo et qui me disait qu'il venait souvent ici récupérer des cristaux. Donc, ah d'accord, coup, ok, donc ils sont pas chiés, ils mangent sur nos terres. Ah oui, c'est ça. Oui, ils viennent sur... D'accord, ok, bah ils s'emmerdent pas. Faut que j'aille voir avec le roi, mais le roi il s'est pas réveillé aujourd'hui, donc c'est un peu. Bah, c'est vrai qu'il a tendance à beaucoup dormir, le roi. Et à la limite, je pourrais voir le commandant, mais le commandant c'est pareil, je l'ai pas vu aujourd'hui, donc. Le commandant pourtant, oui, il est venu tout à l'heure chez nous. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il est venu tout à l'heure chez nous. Ouais, voilà, justement, donc. Mais il je l'ai vu encore, moi, j'ai croisé. Apparemment qu'il était réservé. Oh bah tiens, oh putain, tu l'as eu, Tony. Ah ouais, oh la vache long, mais c'est bon, je l'ai. Bien joué Tony. Écoute, j'étais en train de parler avec ce charmant monsieur qui me racontait un petit peu que le sud venait piller chez nous. Ah bon? Ah bah je vous laisse raconter un petit peu. Pas qu'un peu hein. Alors. Il vient de piller quoi? On va faire par ordre. D'abord, j'ai croisé quelqu'un dans les marécages. Un homme, je lui ai demandé comment il s'appelait, il m'a dit qu'il s'appelait Le Lac. Et je lui ai demandé d'où il venait, il m'a dit qu'il venait du sud. Bon, il est arrivé quelques trucs avec des libellules. Après, apparemment, il a été gravement blessé, il a disparu. Et après, d'accord. En explorant, on a trouvé des genres de débuts de maison ou de base en touch. Et ça avait pas l'air d'être fait par des gens du Nord. Hein, parce que déjà, les gens du Nord, je connais personne qui construit en touch, déjà. Tout le monde construit bien minimum sûr. En bois. Bah oui. Donc, construire en touch, ça doit bien être un truc du sud. Hein.
Ah oui, ça je suis bien d'accord. Donc du coup, on a déjà vu ça. Après, là un peu plus loin, il y a une grotte. Ah, il m'a montré, elle est vraiment pas loin. Et on a vu qu'il y avait des torches, etc. Du coup, bah, c'est bizarre parce qu'au nord, on n'a jamais entendu parler d'une grotte là. Surtout qu'en plus, avant, il n'y avait personne qui venait ici vu que le pont, vous l'aviez pas construit. Ouais, tout à fait. Donc, on a de forts doutes, enfin, j'ai de très très forts doutes, et j'en suis quasiment persuadé d'ailleurs, que c'est des gens du sud qui sont venus. Et ce qui est embêtant, c'est qu'en plus, dans cette grotte, il y a une, il y a un genre de village qui est englouti par l'eau à moitié. D'accord. Et dans ce village, il y a un endroit où on peut passer. Et on voit des trucs en bois et on voit que c'est vraiment fait exprès pour faire comprendre aux gens qu'il faut passer par là, il y a quelque chose à récupérer à la fin. D'accord. A, avec des amis à moi, du coup, on a suivi ce chemin-là. On est arrivé, ça fait arriver sur le bâtiment le plus haut du village. Et en fait, et bah, il n'y a rien. Donc, du coup... C'était bah, vide. Exactement. Donc, on pense qu'il y avait effectivement quelque chose à récupérer, mais qu'on s'est fait devancer et... Si mes suppositions sont bonnes, du coup, ça serait par des gens du sud. Donc, ça serait, c'est pas normal. C'est pas chez eux ici. Hein. Ouais, tout à fait. Ah. Je comprends. Puis le roi d'or, il faudrait en parler au roi. Hein. Ouais, mais le roi, il est pas là. Et le commandant, je l'ai pas croisé non plus. Et aussi, du coup, cette grotte fait le lien entre les deux parties de la montagne. On peut passer dedans pour aller de l'autre côté. Ah, et quand on arrive de l'autre côté de la montagne, on arrive dans une crique avec de l'eau à quoi, à 100 mètres de la sortie à peu près, je pense. À peu de choses près. Ouais. Et on a vu quelqu'un avec un ankylo, donc on est allé le voir. Et c'est pareil, c'est quelqu'un du sud et il m'a dit qu'il venait souvent ici pour chercher du cristal, etc. Ah, bah, donc, peut-être falloir en parler au roi et que le roi... Ouais, parce qu'il vient de manger notre pain sur nos terres. Place, parce que s'il vient en plus prendre les ressources qui sont chez nous, ça va le faire. Hein. Ah bah c'est clair. Ah c'est pour ça du coup quand j'ai su ça bah j'ai voulu prévenir le roi mais le roi n'est pas réveillé. Et j'ai pas vu le commandant et après ça ça c'est quelque chose qui je pense doit être prévenu aux, okay, aux oui. autorités, pas juste aux petits policiers. C'est un rappel à l'ordre. Même si je respecte tous les policiers, je pense pas que c'est de leur juridiction on va dire. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça c'est vraiment pour les personnes les plus importantes du village à mon avis. Au fait Tony. Excusez-moi, monsieur. Regarde donc ce que le monsieur a eu comme bête. Ah, je vois ça, c'est une jolie grenouille, ça. Mais il l'a eu tout à l'heure. Ah bah, félicitations. Ah bah, merci. Parce que le monsieur en plus, est... tu seras... Elles sont dangereuses, celles-là. Hein. Ah, oui. Ah mais ça a été, ça a été. Tu seras le monsieur... Tu sais, c'est le fameux coiffeur que je cherchais. Bah, il est là. Et aussi, il fait pêcheur, c'est ce qu'il met... C'est ça, monsieur, hein. C'est ça. Pêcheur-plongeur, également. Voilà. Donc, tu sais, tout ce qui est perles de silice et tout, bah, c'est lui. D'accord. Puis moi, il connaissait pas. Je vous avoue que perles de silice, moi, j'en trouvais assez simplement au lac Sunato. Oui, entre les trois montagnes, il y en avait souvent une ou deux par-ci par-là, mais c'est vrai que j'en trouve pas en grand nombre. Donc avoir un plongeur qui pourrait aller chercher un peu plus profond, ça pourrait être intéressant. Ah bah moi, j'en ai à peu près 600 de réserve chez moi. Ah d'accord. J'en ai pris un petit peu. J'ai pas voulu en prendre trop. C'est ce que j'ai dit au monsieur, tu vois, comme ça. Bah, vu qu'on connaissait pas, tu vois, par la suite, si on est intéressé, on va chez lui pour acheter. Ah, bah, tout à fait. Parce que le monsieur, il connaissait aller pas chercher, encore. Sachant que là, niveau la plongée, je suis pas bon. Hein. Bah oui. Puis du coup, le monsieur, tu vois, il connaissait notre village, mais il savait pas ce qu'on faisait. Donc j'ai expliqué que t'étais le chasseur, en fait, et moi, du coup, je m'occupais de l'élevage. Ouais, tout à fait. On a mis des pancartes maintenant pour dire les métiers et qu'est-ce que fait le village devant. Ouais, de toute façon, un yénodon, c'est une espèce que j'aime beaucoup et qu'il me faudra un jour ou l'autre, de toute façon. Ah, c'est un joli petit mâle là. Je viens de le récupérer, le petit là. Il était capricieux, il m'a un petit peu embêté, mais bon. Par contre, vous ferez attention, hein, parce que je vous le dis, j'ai mon impression, mais j'ai vu un rex passer au même moment où j'étais en train de m'occuper de la bête, donc petit trailleur. Mais le rex avait l'air de suivre quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Il avait pas l'air de se balader sauvagement. Ah bah, du coup. Parce qu'en fait, j'ai vu les arbres se coucher, j'ai commencé à me poser des questions, et d'un coup, j'ai vu un rex passer, mais vous voyez où il y a la petite bête paresseuse là-bas? Juste au-dessus de la colline d'accord, devant lui, oui. Mais la petite colline, il est passé juste là, tout droit. D'accord. M'a complètement ignoré, il a continué tout droit sa course. Il n'était pas en train de chasser en plus, hein. Il y avait des bêtes à côté, il est vraiment parti tout J'espère droit. J'espère que c'est pas un de ses sudistes. Ça suppose peut-être la chose que je vous disais tout à l'heure, que dans les marécages, il y avait un îlot où tous les arbres étaient couchés autour, ils avaient tous été coupés. Donc c'est assez bizarre quand même. Du coup, c'est je me pose ça. La question si ce monsieur-là, le lac, n'est pas revenu et s'il n'était pas effectivement en train de construire des avant-postes ou quelque chose par ici. Effectivement, j'espère vraiment pas, parce que s'il commence à faire ça, ça va vraiment pas le faire. De toute façon, je vais aller vite voir. Là, vous voyez, là où il y avait les raptors, là, il y a deux secondes. Oui.
Et bah juste là après il y a un petit ruisseau et c'était oui là qu'il y avait son début de construction. Donc, d'accord. Ah bah vous allez bien voir si ça avance, c'est que la personne est encore là. Hein. Exactement. Vous ferez attention, là-bas il y a encore un raptor et oui, ils étaient en banc, donc j'ai bien peur qu'il y en ait qui soit alpha, donc faites gaffe. Hein. D'accord. Ah, au pire, vous inquiétez pas, avec la grenouille, si je vois que c'est dangereux, je saute. Ouais, je vois ça. Pas de soucis. Bon, mais sinon, petite information, vous êtes venu par les voies de la mer ou vous êtes passé par le pont? Tout à l'heure j'étais passé par le pont, mais maintenant que j'ai une grenouille, j'avoue que pour moi, pour venir directement ici, c'est plus pratique de passer par la mer. Ça va plus vite. Ah oui, tout à fait, mais c'était juste pour savoir si vous aviez emprunté le pont ou non. Sinon, j'utilise le pont et j'ai mes compagnons, là, les éleveurs qui habitent à côté de chez moi, qui passent aussi par le pont. D'accord, bon, bah c'est bon à savoir. Merci beaucoup, au moins c'est utile. T'as bien bossé, Tony. Je me suis servi tout à l'heure, il est très bien. Bah, d'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai pu ramener la grenouille, parce que il fallait bien que je la ramène après au village. Ouais, tout à fait. Vous avez pas eu trop de soucis pour la ramener sur le pont? Parce que je sais que le cordage bloque un petit peu de temps en temps. Ouais, mais la grenouille, ça saute. Donc, du coup, bah, l'avantage, bah, c'est que ça se débloque tout seul. Ah, ça c'est pratique. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on a pris les chats aussi et l'iguanodon, hein, parce que ça passe assez simplement. C'est ça. Mais l'avantage, bah, du coup, avec la grenouille, c'est que quand la grenouille suit, elle saute tout le temps. Donc, du coup, même quand elle se bloque, elle saute et puis elle esquive le blocage. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Oui, je vois tout à fait. C'est le cordage qui est un peu bas, alors du coup, elle passe au-dessus, quoi. C'est ça. Alors que je pense qu'un tigre, si vous le faites suivre, je pense qu'il se prend les pieds dans le cordage. Ah oui, non, mais sert à rien quand on le fait suivre. D'ailleurs, j'ai peur pour la hyène en rentrant, on verra bien. Mais au cas où, du coup, si un jour vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer au village, hein, pour regarder justement si on n'a pas fait des petits bébés hyènes ou quoi que ce soit. Hein. D'accord. Savoir aussi que si vous êtes intéressé, il n'y a pas que les dinos qui sont présents, qui sont en vente, on fait sur commande aussi. C'est-à-dire, vous pouvez venir nous voir, nous dire on veut tel type de dino et nous on va vous le chercher. Ah bah moi, là de toute façon, moi j'ai fait un appel, bah du coup je vous le fais à vous aussi, pour le petit lézard qui est à peu près à la hauteur du genou, avec une tête en croissant de lune et qui permet d'emmagasiner de l'air pour aller sous l'eau. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, je vois tout à fait, d'accord, ça oui. Ça vit dans les marécages. Et ça, j'ai fait un appel à tous les éleveurs et les tanneurs du village. Bah, du coup, je le fais à vous aussi, parce qu'il m'en faut. Et de toute façon, ça sera subventionné par le roi, donc ne vous inquiétez pas pour le prix. Hein. Le roi a dit qu'il le paierait, parce que ça sera utile pour moi, mon métier. Pas et de soucis. Ça permettra de développer le royaume. Donc, D'accord, bah écoutez, je vais regarder et je vais essayer de m'y atteler, voir si je vois pas ce genre de bête. Et puis si j'en trouve une, je vous la tame direct et je vous la mets de côté. D'accord, bah merci beaucoup en tout cas. Nous on va vous laisser retourner à vos affaires, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Et puis bonne continuation, à bientôt. À bientôt, bonne journée à vous monsieur. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.